Désolé les amis, c'est la suite de la vidéo. En fait, le téléphone de mon petit frère là ne filme pas d'un coup en fait. Voilà, donc c'est ce qui fait que je fais la vidéo en deux parties. Donc comme je disais, c'est parce qu'il t'a mis en garde à vue, tu t'es senti humilié. D'accord, pas de problème, mais il y a la manière aussi. Mine de rien, c'est une somme de 15 millions. Si tu laissais partir aux États-Unis, qu'est-ce qui deviendrait? On allait tourner là en bourrique et tout. Tu ne l'as pas rassuré et tout. Tu comprends un peu? Donc les amis, je sais pas, nous on peut rien faire, hein. Je sais qu'on peut rien faire, mais moi perso, je m'adresse à l'ami Fingari. Tu es un jeune frère, franchement, moi ta mine ne ressemble pas à quelqu'un de méchant, ta mine ne ressemble pas à quelqu'un de malhonnête. Donc je sais pas pourquoi tu es en train de faire durer cette histoire-là. Ça te coûte quoi de dire à papa ou à maman, ah, réglons cette histoire, on va finir avec ça. Parce que je vous dis, je suis convaincu que cette histoire n'est pas encore réglée. Parce que si cette histoire était réglée, je connais mon artiste, il allait faire une vidéo pour même remercier la famille Sangaré, remercier nous, ses fans. Mais jusque-là, si rien n'est fait, c'est parce que le gars n'est pas encore rentré dans ses fonds. Franchement, je pense et j'espère que vous ne désirez pas en train de vouloir lui rembourser son argent en monnaie de singe. Nous reconnaissons votre puissance, nous reconnaissons votre pouvoir. Mais franchement, ayez un peu de pitié, parce que mine de rien, il est Atis, il est des Bordeaux Likoufa, mais il est orphelin. Ouais, il a personne en fait. C'est lui qui gère tout le reste de sa famille, c'est lui qui gère des personnes qui gèrent des familles et tout. Donc il a beaucoup de personnes derrière lui. Faites beaucoup, 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 beaucoup de concessions, laissez toute cette histoire-là et redonnez-lui. Payez-lui ses 15 millions. Je vous demande humblement pardon. Je vous demande humblement pardon. Parce que dans l'histoire, Lamine, tu reconnais que tu dois 15 millions à Debordo Likoufa. Tu reconnais que tu dois 15 millions. Je ne sais pas comment le droit se fait ici, mais franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'affaire dure aussi longtemps. C'est pas normal. Tu reconnais. Vous pouvez payer ça en un coup. Ça vous coûte quoi? Payer le bien, on n'en parle plus. Parce que moi, franchement, je suis écœuré. C'est pas gentil. Moi, pendant les promotions, là, je suis un youtubeur. Tu parlais de toutes mes vidéos. Je faisais que tes éloges. Pour moi, tu étais comme un messie qui était venu grandir mon artiste. Mais apparemment, tu es devenu celui-là qui est venu enfoncer mon artiste. Voilà. Tu es venu vouloir le casser. Il ne peut pas se casser. Voilà. Moi, c'est juste que. Tu es en train de le mettre en retard parce qu'il est concentré sur cette affaire-là. Et tout. C'est ce qui me gêne un peu. Hein, Lamine, c'est pas cool. Je te demande pardon. Au nom de ses fans, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la musique ivoirienne, je te demande pardon. Par ma voix, sois homme, sois un gars responsable. Lave-toi aux yeux du monde. Lave ton image. Règle cette histoire-là. Voilà, moi je ne parle pas dans le désordre. Parce que quand j'ai vu mon artiste hier, quelque part, il le sait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, je ne me suis pas approché de lui. Je l'ai vu hier, quelque part, j'ai été choqué. Et j'ai eu mal. Parce que j'ai compris tout de suite que l'affaire n'était pas réglée. N'était pas encore réglée. Et ce n'est pas gentil. La mine, ce n'est pas gentil. Donc les amis, comme je disais, le ministère de la Culture, le Burida, essayait de prendre en main ce truc-là, ce dossier-là. Pour qu'on n'en parle plus et puis que ce soit réglé, quoi. Parce que nous, on vous fait confiance. Mais quand vous vous comportez comme ça, on se dit, bon, on est dans un pays où quand quelqu'un a ses problèmes, c'est lui seul qui les gère et tout. Voilà. Hein? Moi, j'ai confiance à la justice ivoirienne, j'ai confiance au ministère de la Culture, j'ai confiance au Burida. Faites un geste. Donc, les amis, c'était ça un peu ma vidéo d'aujourd'hui. C'est pas que je l'ai fait en deux temps. Partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum pour que ça puisse toucher beaucoup d'âmes, pour qu'on puisse régler ça. Maintenant, s'ils n'ont plus envie de rembourser notre artiste, qu'ils nous le disent, c'est tout. Au lieu de l'humilier de la sorte ou bien de le fatiguer de la sorte. Donc, les amis, c'était un peu ça, c'était moi. Que Dieu nous bénisse et on reste toujours en contact.